Wanga, tu sais pourquoi ce problème t'arrive? C'est parce que tu n'as pas espacé les naissances de tes enfants. Espacé quoi? Elle parle de tes enfants comme si elle parlait de semis. Si tu penses que à ce rythme-là, tu vas rester chez moi ici-là. Là, tu as menti. Là, tu as menti. Mes enfants-là sont trop maladifs, comme je t'ai dit. Surtout les plus petits-là. Pour les plus petits là-haut. C'est un peu normal. Et là, comment tu les as alliés? Vraiment? Hein? On dirait des escaliers. Bakba, tu la fermes. Bwanga, façon que j'ai frappé Tene hier là. Hein? Elle va mourir sans oublier ça. Mais attends, toi aussi tu exagères. Hein? Hein? Moindre chose, Bwanga, moindre chose, petit gars. Quand même, c'est pas un nan là. Tene est pire qu'un nan. Rassembler les gens comme du bétail électoral, vraiment. Comme ça, pour les vacciner des doctrines sanitaires sur le baobab, comme ça. Non, vraiment. Mais attends, c'est des foutaises. Vraiment. Mais c'est honteux, hein. C'est honteux. Ce que je vous demande, c'est de chercher à comprendre. Chercher à comprendre qui ou quoi. Nous, on s'en fout de gros français. Si tes possibles ne quittent pas devant moi, là, je vais les tenter tout de suite. Ouais. Pas là. Tu n'as pas dit que ton travail, c'est frapper les femmes. Si tu es garçon, viens me toucher.